Nous vous invitons à découvrir sur notre planète des contrées disparues qu'aucun d'entre nous n'a jamais vues. Elles se situent en France. On les appelle aujourd'hui la Bresse, la Dombes et le Bas-Dauphiné. Elles forment une vaste plaine drainée par la Saône et le Rhône. Cette plaine s'étend sur 260 km de Dijon à Valence en passant par Bourg-en-Bresse et Lyon. Elle est encadrée à l'ouest par la bordure du Massif central et à l'est par le Jura et les Alpes. Mais notre voyage commence à la fin de l'ère primaire, il y a 270 millions d'années. Ces lieux si familiers n'existent pas encore. Attachez vos ceintures. À cette époque, la Terre est déjà vieille de plus de 4 milliards d'années. Son apparence est très différente de celle d'aujourd'hui. Tous les continents sont rassemblés en un seul bloc gigantesque appelé Pangée. Il est cerné par un océan unique, encore plus vaste, la Pantalassa. C'est sur la côte est de ce continent géant que nous retrouvons notre région, où se dresse une formidable chaîne de montagnes, le massif Hercynien, comparable à l'Himalaya d'aujourd'hui. Sous l'action implacable des pluies et des vents, la chaîne est rabotée en quelques dizaines de millions d'années. Cette érosion spectaculaire nous entraîne au début de l'ère secondaire, il y a 240 millions d'années, que nous allons vivre en les comparant à une journée de 24 heures. Profitons de notre première étape, le Trias, pour détailler nos écrans. En bas, l'échelle des temps géologiques, de moins de 240 millions d'années à aujourd'hui. En haut, le décompte des temps réels en millions d'années et l'horloge des 24 heures. En dessous, le nom de la période inscrit sur la couleur qui la symbolise, l'aspect du globe, la géographie et le climat de la France à cette époque. Il est donc 0 heure, 0 minute. Top chrono. Lentement, mais inexorablement, la mer envahit les zones basses. Seul le massif central reste émergé. Les produits de l'érosion, sables et argiles, s'étalent en delta dans la mer côtière. Des cordons littoraux forment ça et là des lagunes peu profondes sur les futurs emplacements de Grenoble, Bourg et Dijon. Ce milieu aquatique profite aux amphibiens, des lointains cousins des grenouilles et des tritons. Certains atteignent un mètre de long. Sur la terre ferme, les premiers dinosaures et d'autres reptiles ressemblant aux lézards d'aujourd'hui bénéficient d'un climat idéal, car il fait chaud, très chaud. Sous l'évaporation intense, les eaux deviennent sursalées, le sel gemme cristallise. On retrouve aujourd'hui ce sel enfoui à de grandes profondeurs dans le sous-sol. Nous sommes maintenant au début de l'époque jurassique. Elle commence il y a 200 millions d'années. Sur notre horloge, il est 4 heures du matin. La mer poursuit sa progression vers l'ouest. À l'emplacement des futures chaînes subalpines, la croûte terrestre s'affaisse. Une mer profonde s'installe. Des sédiments fins, argiles et marnes, en verre sur cette coupe, s'y accumulent lentement sur 1 km d'épaisseur.
À l'emplacement actuel de la Bresse et du Jura, une mer peu profonde et chaude s'étend à perte de vue. Elle est parsemée à certaines périodes de lagons, d'îles barrières, de récifs. Les régions de Bourque et Dijon, alors sous les tropiques, ressemblent aux mers de corail de l'actuel Pacifique. Les fossiles découverts dans les calcaires de Serein, en bordure du Jura, qui a donné son nom au Jurassique, témoignent de la vie exubérante dans la région à cette époque. On y trouve des poissons, des ophiures, des ammonites, des lézards, des crocodiles, mais aussi des traces de tortues et de dinosaures. À la fin du Jurassique, la mer quitte la région et découvre un vaste plateau. Le Crétacé débute il y a 135 millions d'années. Il est 10h30 sur notre horloge. Une fois encore, la mer recouvre notre région et vient border le massif central, resté en grande partie émergé. Il y a 90 millions d'années, l'éperon lyonnais sépare la région en deux. Au sud, l'érosion des reliefs donne des sédiments qui s'accumulent sur près d'un kilomètre et demi d'épaisseur dans la fosse alpine, d'où vont bientôt surgir les chaînes subalpines. Au nord de l'éperon lyonnais, dans la mer qui communique avec celle du bassin de Paris, dans les régions de Dijon, Besançon et Bourque, une boue calcaire très fine, d'origine planctonique, se dépose. Cette boue deviendra la craie. C'est elle qui donne son nom à cette période, le Crétacé. Sur la terre ferme, la végétation est luxuriante. Les premières plantes à fleurs ont fait leur apparition. Le climat est chaud et humide. Les dinosaures ont tout pour être heureux. Pourtant, comme les trois quarts des autres espèces animales et végétales, ils disparaissent, probablement victimes d'un bouleversement climatique, il y a 65 millions d'années, pour nous, 17h30. Nous voici à l'aube de l'ère tertiaire. L'unique continent, la Pangée, s'est morcelé depuis longtemps. Sur les nouveaux continents à la dérive, repoussés par l'ouverture des océans, les mammifères et les oiseaux ont relayé les dinosaures. Jusqu'alors discret, il se développe et se diversifie, comme le montrent ses empreintes. Il y a 40 millions d'années, la Terre, vue de l'espace, commence à ressembler à celle que nous connaissons aujourd'hui. L'Afrique se rapproche de l'Europe. L'océan qui les sépare disparaît peu à peu. De leur collision surgissent des montagnes, les Pyrénées d'abord, bientôt les Alpes. Dans notre région, la mer s'est retirée depuis la fin du Crétacé, découvrant un vaste plateau bordant la mer alpine. Vers la fin du Paléogène, à 20h30 sur notre horloge, une longue fracture nord-sud, jalonnée de fossés d'effondrement, déchire le continent européen de la mer du Nord à la Méditerranée. Notre région ainsi s'est affaissée. Un paysage de fossés lacustres puis de vastes lagunes occupe pendant 10 millions d'années la bordure du massif central. L'évaporation est intense. Du sel se dépose. En Bresse, son accumulation atteint l'épaisseur colossale de 1,5 km. Ensuite, il y a 23 millions d'années, les affaissements se ralentissent. Dans ces bassins, redevenus lacustres, des sédiments imperméables se déposent qui protègent le sel depuis cette époque. Il est 22 heures sur notre horloge. Nous sommes au Néogène, la seconde partie de l'ère tertiaire. Le grand lac de Bresse s'assèche il y a 20 millions d'années.
Plus à l'est, les Alpes continuent de se soulever. Maintenant, elles émergent de la mer. Au fur et à mesure de leur ascension, les reliefs sont attaqués par l'érosion. Conglomérats et sables, appelés molasses, s'accumulent alors dans la mer qui occupe l'étroit sillon qui borde les Alpes. Leur soulèvement repousse ce sillon vers l'ouest, à l'emplacement du Bas-Dauphiné et du sud de la Bresse, comme le prouvent ces dépôts de sable marin visibles sur la bordure du Jura. Ainsi, dans la Bresse qui s'enfonce de nouveau, sables et marnes s'accumulent sur une épaisseur atteignant 300 mètres avant que ne se réinstallent des plaines littorales et des lacs. Repoussés depuis la zone de collision alpine, les dépôts sédimentaires se décollent de leur socle et se plissent. Ce mouvement atteint le Jura qui se plisse à son tour et vient chevaucher la bordure est de la Bresse. À peu près en même temps, il y a 5 millions d'années, la Méditerranée est momentanément isolée de l'Atlantique et son niveau baisse considérablement. Pour l'atteindre, les fleuves, comme l'ancêtre du Rhône, creusent des canyons profonds de plusieurs centaines de mètres. Lorsque la Méditerranée est de nouveau alimentée par l'Atlantique, ces canyons sont envahis par la mer. Dans notre région, elle s'avance jusqu'à l'emplacement de la ville de Lyon. Les sédiments transportés par les rivières remblaient peu à peu ce long couloir marin. Comme la Bresse continue de s'enfoncer, elle est de nouveau occupée par des marécages et des lacs où se jettent le Rhône et le Rhin qui, alors, empruntent l'actuelle vallée du Doubs. Elles y déposent galets et sable, argile, en delta encore visible aujourd'hui. À la fin de l'ère tertiaire, l'enfoncement de la Bresse ralentit. Le Rhin se détourne vers l'Alsace. Le climat a considérablement rafraîchi. Périodiquement, des glaciers recouvrent l'Europe du Nord, d'autres envahissent les Alpes et le Jura. Il est minuit moins 6 sur notre horloge. Nous sommes déjà au Quaternaire. Nos lointains ancêtres occupent épisodiquement notre région entre les crises glaciaires qui continuent à se manifester tous les 100 000 ans, soit toutes les 36 secondes sur notre horloge. Des paysages glacés alternent avec des paysages de climat tempéré comme celui d'aujourd'hui. Dans notre région, à plusieurs reprises, les glaciers descendus des Alpes s'avancent jusqu'à l'emplacement de la future ville de Lyon. Ils y laissent les traces de leur passage. Moraines, gros blocs transportés par les glaces. Lorsque ces glaciers forment un barrage sur la Saône, la Bresse est recouverte par un lac immense. Il y a 10 000 ans, se termine la dernière glaciation. À minuit moins 3 secondes et 6 dixièmes sur notre horloge débute l'épisode interglaciaire actuel. Nos ancêtres préhistoriques, les hommes de Cro-Magnon, assistent à la disparition des mammouths, victimes de ce réchauffement climatique qui persiste aujourd'hui. Dans les vallées du Rhône et de la Saône devenues verdoyantes, dans la Bresse, la Dombes, le Bas-Dauphiné, la civilisation se met en marche. Désormais, la fantastique évolution de l'humanité est intimement liée à l'utilisation des ressources naturelles héritées du passé géologique de notre planète. En voici quelques exemples qui jalonnent notre histoire. Minuit est en train de sonner. Vous pouvez détacher votre ceinture. Et si notre voyage se termine, cette histoire est pourtant loin d'être achevée. Nous venons de parcourir en quelques minutes 240 millions d'années pour voir défiler des événements qui se sont déroulés à une cadence tellement lente qu'ils nous sont imperceptibles. D'ici 50 à 60 000 ans,
Le nord de l'Europe sera probablement de nouveau touché par le froid et les glaciers des Alpes déborderont sur notre région. L'Afrique et l'Europe continueront de se rapprocher de quelques centimètres tous les ans. Mais ces bouleversements épargneront pour des millions, voire des dizaines de millions d'années, les couches accumulées dans les profondeurs des fossés sédimentaires de notre région.